Bien qu'ils soient effrayants et désagréables, les cauchemars sont un phénomène normal et universel qui touche près de 85% des adultes occasionnellement. Ils surviennent pendant la phase de sommeil paradoxale et sont souvent des rêves longs et angoissants. Le réveil est éprouvant, avec un rythme cardiaque accéléré et une sensation d'angoisse diffuse. Les enfants font des cauchemars beaucoup plus souvent que les adultes. Entre 3 ans et 6 ans, 10 à 50% des enfants en font occasionnellement. Cela fait partie de leur développement normal. Chez l'adulte, la fréquence et l'intensité des cauchemars diminuent au fil des années. Passé la soixantaine, ils disparaissent peu à peu pour devenir quasiment inexistants. Les causes d'un cauchemar peuvent être difficiles à identifier et peuvent ainsi provenir, entre autres, d'une peur refoulée, d'un conflit intérieur, d'un stress dû à un changement ou d'un événement marquant lu dans un livre ou vu à la télévision. Différentes études prouvent qu'il existerait un lien entre la position choisie pour dormir et la qualité de notre sommeil. Les cauchemars seraient ainsi plus fréquents chez les personnes qui dorment sur le côté gauche. 40,9% passeraient une nuit agitée contre seulement 14,6% de ceux qui choisissent de dormir sur le côté droit. Quel que soit l'âge, il n'y a pas de recette miracle pour éviter les cauchemars. Veillez à créer un environnement sécurisant avant d'aller au lit pour reposer votre corps et votre esprit.